Et bonjour, on se retrouve pour la suite de The Last of Us partie 2. Donc, on va retrouver Tommy qui est pas loin de la fumée. Là, il a fait exploser un camion. Donc, on a passé une heure sur une petite zone. C'était l'épisode 13 du Let's Play, donc voilà, c'est logique. Hein, la vidéo porte malheur. Et apparemment, j'ai bien fait de couper la vidéo ici. Autant d'escouades pour un faux coup. À cause de ce qui s'est passé à l'école. On dit que c'était les stars, ça. Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Quoi? Ils l'ont trouvé. On va les aider? Non. On reste en position. T'as flairé quelque chose? J'ai cru entendre un bruit. On va voir ce qui se passe. Allez! Il a dû flairer un truc. J'ai loupé toutes mes flèches. Putain, les chiens, ça me fait vraiment peur. Déjà, il faut que je me prépare. Tu croyais que c'était les scars, ça? Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Restons sur nos gardes. Ok, donc c'est cette maison, ok. Je savais pas si c'était par là ou par là. Ils l'ont trouvé. On va les aider? Non, elle est là. On reste en position. J'ai vu un truc. Je vais voir ce qui se passe. Il fait peur. Qui est là? Ok, je peux récupérer ma flèche. Merde, je pensais qu'il y avait un trou là. Papier en masse, j'ai pas besoin. C'est là-bas. On peut pas passer par là, ok. Ok, on est obligé de passer par là. Ah!
qu'un chien, ça fait peur. Quand j'ai un chien, j'ai peur en fait. Remonter là évidemment. Non, pas question. Faut pas prendre. Il a un chien. Il a un chien, putain. Putain, quelqu'un a tué mon chien! Y a quelqu'un ici! Dispersion! Quelle est la situation? Dis-moi qu'on a quelque chose! Personne dans les parages! Putain, il y en a une à hauteur là-bas, là, ok. Là que je passe par là-bas. Ok, d'accord. Au rapport, allez. Je vois personne. C'est calme dans la maison. Qu'est-ce que tu veux? Pas très malin toi. Ouh. On peut rien ramasser évidemment. Où est la dernière là? Il est où le chien? Est-ce que je peux récupérer la flèche sur le chien? Ça serait lourd.
mort là. Oh, je suis désolé, petit toutou. Oh. Oula. Putain, je suis dégoûté. Une flèche d'arc. Allez, la prochaine zone, on est... Ok. Bon, on va se préparer. Enfumez-la ! Je le vois même pas. Ah, ok. J'ai pris trop de dégâts là. J'ai volé son arme. Merde. Oh putain. Non. Je veux réussir. J'arrive vraiment pas, c'est un truc de ouf. Attendez, attendez, on va réussir. Enfumez-la ! Allez. Ah.
En vrai... Il y a beaucoup de papiers par contre. Je vais me faire un kit médical. Il y a beaucoup de papiers, je peux pas les laisser. Il va y avoir... La scène du trailer. Tu peux me dire ce que tu fous là? Je pensais que c'était Tommy. En fait, cette scène, elle était dans les trailers et c'était Joël en fait pour montrer. Regardez, Joël, il est pas mort, il va suivre Ellie durant sa vengeance et tout. Et en fait, du coup là, je pensais que c'était assez énorme. Comme si j'allais vous laisser partir seul. Jesse. Oui, Dina. Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Oh. Oh, ce fou rire. Oh. Oh, j'ai mal au cœur. Ah, oh, je m'entendais avoir Tommy là. Ah, tu tiens le coup? Ça va aller. Des potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. Ah, super. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. J'ai pas mon permis si jamais. Hein. T'es prête? Non. Ouais. Non! Hé, hey, pas de conneries, hein? Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a une intrusion. Prends celui de gauche. Putain, encore? Il nous faut plus de sentinelles, bordel. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. On peut aller voir cette maison. Ouais. Mais je peux contre toi. Glenn, merde, oh putain. Oui, parce que... C'est Alan! Bordel, quelqu'un l'a buté! Vite!
Ouf. Allez, vas-y. Putain, l'assassin. J'appuie pour courir. Putain, mais à chaque fois j'appuie sur courir, ça me fait peur. Oh oh. Ça aurait été classe comme façon de découvrir que Ellie sait nager. T'imagines? Genre tu te dis, quand tu joues un, tu te dis putain c'est pas nager, on va mourir. Genre tu le vois partir sans nous, et d'un coup tu vois Ellie qui nage, ça aurait été trop classe aussi. Retour au théâtre. Dina. Salut. Oh, c'est pas vrai. Jesse. Salut Dina. Salut Papounet. Rentrer à l'intérieur. Ouais, allez, viens. Doucement. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand de Jackson? Un jour après vous, mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. T'avais été jalouse du coup. Tommy? Ça va. Ok. Franchement, boudé pour si peu. C'est vrai, quoi. J'oublierais mon propre anniversaire si elle n'était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. N'hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Il en reste là-bas. Combien? Pas beaucoup.
Attendez, on peut faire une photo classe là. Cacher personnage. Mais pourquoi il est flou? Normalement, il devait pas y avoir de flou aussi. Si je mets. Non. C'est trop bizarre. C'est trop. Il est vraiment mal fait là, mode photo, je trouve. Ah oui! Ah bah, il est mort. Moi aussi, je veux savoir tirer au sniper. C'est ta chance? Oh, oui, 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 oui. T'es sérieux? Je suis d'humeur généreuse. Le tuto sniper. Tu vois le panneau là-bas? Le rouge. Essaie de le toucher. Ça là? Pratique pour les faire sortir de leur cachette. Vise plus haut. La balle a le temps de redescendre. Je vois. Et voilà! Le bruit les attire. On est en patrouille, oui ou non? On va s'en débarrasser. C'est du bon boulot. Ah ouais? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas touché là. Wesh, t'arrêtes de bouger toi et tu vas tomber de la falaise là. Mange ça. Il me plaît bien ce fusil. Plus. En général, on en trouve d'autres par là si tu veux continuer. Ok. Le tuto sniper. Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans. Comme un genre de migration. Ouais. C'est bizarre. Comment ça? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, en fait, j'en sais foutre rien. Regarde le cabanon. Ok. Merde. Pourquoi? Ah. Un animal mort. Regarde près du pick-up, là. Ils sont en train de bouffer le cerf. Quoi? Où ça, un animal mort? Vois 3 encore. Merde, mais j'ai pas tiré, putain. Merde. Pense bien à corriger la trajectoire de la balle. T'as ça dans le sang. Ah oui, le pick-up là. Il y en a encore deux. Ah oui, là. Petit headshot là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Nickel. Entre les jambes, t'es sérieux là? Prends ton temps. Je vais jamais l'utiliser, sniper, ça vous pouvez en être sûr. Impressionne. Ça m'a l'air bon. Je te parie qu'il y en a par ici. Ta munition est limitée ou... Et là, près du téléphérique. Regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour. Tu vois? Absolument pas. Ah oui, d'accord, oui. C'est un homme, ça, non? Ah non. Ok, là il faut tirer encore plus bas que là. Encore plus bas. Ok, là c'est le dernier tir. Il en reste quelques-uns. Bien joué. Et 3. Faudra que tu fasses ça, Joël. Merde, je voulais recharger. Te précipite pas. Trouve ton rythme.
J'espère que Joël oublie pas de remuer le ragoût. Le connaissant, il a dû le laisser cramer. Ah, j'en vois pas d'autres. Moi non plus. Ouais, moi non plus. Allez, on s'en va. On va voir si Joël est rentré. Ça marche. Ouais, Joël. Quoi? Donne-moi ça. Eh, Tommy. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Putain, je pensais vraiment qu'on verrait Tommy, quoi. Serge. Je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Mais Joël s'inquiète pour toi. Il y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Et je lui parle. Ah, c'est à cause du musée. Plus que bonjour et au revoir. Ok, je vais essayer. Ouais. Elle commence à se douter à cause du truc du musée qu'il se passe un truc avec l'hôpital. Coucou. J'espère que vous allez pas mourir. C'est vous qui avez fait tout ce raffut ? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Et toi, tu faisais de la guitare, t'avais pas peur. Alors, ça t'a plu ? Ouais, c'était bien. Je vois que... Tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi ? Il faut les changer ? Ouais. On t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique pas loin. Et c'est en fer, Tommy aussi ? Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je montrerai la garde. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Allez, on se tire avant qu'il chante. T'es sûr que tu veux pas venir ? Allez, vas-y. Il t'attend. Astrid. Pourquoi vous vous portez toujours volontaire pour cette patrouille ? Parce que c'est le poste de gay qui a le meilleur canapé. Je passe pas près du feu. Si j'ai envie, je m'allonge. Le pied. Astrid Bolly, la route était dégagée et on ne va pas parler du magnifique coucher de soleil parce que ce serait un sacrilège de le mentionner dans ce texte sacré. Bonnie, elle a l'air archi drôle. Jesse, Mike, RAS, peut-être que moi aussi je devrais écrire n'importe quoi vu que clairement on se fout du protocole. Mike, Joël, Tommy, RAS, je crois qu'on a énervé Mike, on devrait peut-être arrêter. Joël, Jesse, Eugène, RAS, sa mère m'a dit la même chose hier soir, mais on a continué, putain c'est quoi, c'est con. Eugène, Greg, Bonnie, Eugène, t'es le meilleur. Greg, Jesse, RAS, Eugène, Mike, RAS, Mike, t'es quelqu'un de merveilleux, il me menace pas du tout pour m'obliger à écrire ça, Eugène. Joël, Tommy, 5 coureurs sur la corniche, éliminé. Joël, Astrid, Bonnie, un claqueur près de la rivière, éliminé. Astrid, Joël et Tommy, 2 coureurs près de la clôture. T. RAS, et au fait, mon frère mange encore la bouche ouverte. Tommy pour Joël. Joël, Tommy, RAS, j'ai appris à jouer Farmer in the Dell à la guitare. Quitte à l'entendre tout le temps, autant aller jusqu'au bout. Joël, c'est trop cool. Ah ça, j'aime beaucoup ça. Et du coup, alors attendez. Du coup, il doit y avoir des trucs. Je viens de vivre la pire et la meilleure journée de ma vie. Qu'a terminé ma session sur mon bras quand elle est montée sur moi et m'a embrassé. Tu comptes dormir ici ou quoi ? Oui, totalement. Non, je vérifie que j'ai rien oublié. Quand elle est montée sur moi et m'a embrassé, je l'ai repoussée en lui gueulant dessus. J'ai eu peur de l'infecter parce que je suis infecté d'une certaine façon. Je sais pas comment cette merde se transmet et si elle se transformait. Qu'est-ce que je dirais aux autres ? Elle a de la famille. Je lui ai proposé d'aller marcher un peu. J'ai fait comme si j'avais... Si j'avais jamais embrassé. Corde. Je trouve qu'elle sonne plutôt bien. Elle a été cool par rapport à ça. On a passé toute la journée à marcher et à discuter. Après, elle est venue chez moi pour voir un film. Elle s'est endormie. Je l'ai regardée toute la nuit. Aucun signe d'infection. C'est triste en vrai. Genre, elle pouvait passer une bonne soirée et tout. Alors, tu viens ?
Ouais. Le lendemain, elle allait bien, pas de problème. Je suis pas contagieuse et Kat m'aime bien. Putain, les émotions. Du coup, ça se voit qu'elle a un problème avec son infection au final. Kat est la meilleure, point final. Aujourd'hui, pendant la patrouille, Jessie m'a appris que Kat dit que je suis sa petite amie. Elle est cash sur le sujet. Elle parle de moi à sa mère, elle m'a tenu la main quand on était au lac tous ensemble. Elle m'a embrassé devant nos amis. Tout le monde est au courant, sauf Joël. Je me demande si je devrais lui dire. Je sais pas comment il réagirait. J'ai l'impression que Dina m'évite. Kat dit qu'elle est jalouse que je passe du temps avec elle. J'ai invité Dina plusieurs fois, mais elle dit tout le temps qu'elle est occupée. Allongée sur la pierre, du haut de mon promontoire, tu traces les constellations. Je pose l'encre sur ta peau, recouvrant marques et brûlures et illuminant les ténèbres comme des étoiles dans la nuit. Oh, c'est joli. J'arrive. Bientôt. Ah. Pourquoi il y a un Savage Starlet ici? Je crois que c'est à Joël. Donc Joël il s'est mis à Savage Starlight. En vrai c'est mignon mais. Putain, ah ouais ils sont bien ici, je comprends pourquoi ils font cette patrouille. Oh, ça sent bon par ici. Ok, il va y avoir du fight là, on peut se soigner, on peut. Ils ont des médicaments, des ingrédients pour un medikit, donc il va se passer des trucs. Deux balles de pistolet, ok. En vrai, vu qu'il. Oh, ouais, il va se passer. Il donne plein de balles de tout. Et je pense que ça va être un gauche rapide. Du coup, on va s'arrêter là, je pense. Et c'est parti. Ouais, on va s'arrêter là. Et ça va être un gros chapitre, je pense. Sur ce, à la prochaine!